Je vous souhaite la bienvenue dans cette école du sabbat. Séphora, Ophélie et moi-même sommes très heureuses de vous accueillir virtuellement avec nous. Cette école du sabbat, nous la voulons dynamique. Alors c'est sous forme de dialogue qu'elle sera présentée. J'espère que, de votre écran, vous participerez avec nous. Alors les filles, comment s'est passée votre semaine? Alors pour moi, ça a été fatigant, mais grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Donc voilà. Ben honnêtement, j'ai même pas envie d'en parler. Non, sérieux? Ça se passe de commentaires. D'accord. D'ailleurs, avant de commencer la leçon, comment vous vivez ces temps de Covid-19? C'est vrai que les étudiants sont souvent questionnés. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez des moyens adoptés pour résister au coronavirus? N'oublions pas qu'il y a eu le confinement et les cours à distance. En ce qui me concerne, les cours à distance ont été compliqués. Alors, je me suis débrouillée grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en sors, mais c'est compliqué. Il y a eu un certain acharnement au niveau des professeurs. Ils nous donnaient énormément de travail. La somme de travail était conséquente. Mais sinon, spirituellement, ça ne m'a pas trop affectée. Génial. Mais c'est plutôt le côté études qui coince, en fait. Sinon, ça a été grâce à Dieu. Voilà. Bah, pour moi qui suis à la recherche de travail, en un mot, c'est chiant et fatigant. Non, sérieux, j'en peux plus. Mais c'est vrai que du côté spirituel, c'est vrai que ça nous rapproche de Dieu et ça nous pousse à, à le rechercher du coup. C'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que pendant ce confinement, je me suis rapprochée de Dieu. C'est vrai que ça m'a permis également de faire un travail sur moi-même pour être beaucoup plus régulière. Donc oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidée. En tout cas, le principal à en tirer, c'est qu'en toutes circonstances, le Seigneur est avec nous. Il nous accompagne et il nous aide. Exactement, oui, nous devons respecter les gestes barrières, c'est important, afin d'en finir avec ce virus et ses variants, tous ces variants qui débarquent. Etc. Enfin bon, revenons sur la leçon. Je suis chargée aujourd'hui de vous introduire celle-ci. Alors, j'ai choisi pour cela une charade. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une charade, c'est un jeu par lequel on doit retrouver un mot en devinant et en associant chacune de ces syllabes. Donc, je vous laisse donc deviner le thème de cette semaine. Mon premier est tout devant dans l'alphabet. Dans mon second, je dors confortablement. Mon troisième me permet de tenir un panier. Mon tout peut être matériel et représente un bijou. Que immatériel, mais dans tous les cas, mon tout est un symbole. Alors, je vais reprendre. Je ne sais pas trop c'est quoi. Je vais reprendre une seconde fois. Mon premier est tout devant dans l'alphabet. Dans mon second, je dors confortablement. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup mon second. Hein. Ah, toi-même, tu sais. Je confie. Mon troisième me permet de tenir un panier. Enfin, mon tout peut être matériel et représente un bijou que immatériel, mais dans tous les cas, mon tout est un symbole. Roulement de tambour. La réponse est donc alliance. Donc, vous avez bien compris, le thème de cette semaine est l'alliance. C'est vrai que, bon, la charade est une façon d'imager le thème, bien sûr, littéralement. Mais comment percevez-vous ce thème? Alors, pour moi, le mot « alliance », il veut dire « s'unir avec quelqu'un », en fait. Mmh. Voilà, ouais. Pour moi, pour l'instant, c'est ça, d'accord. Pour moi, ben, c'est un accord ou une promesse qui repose sur plusieurs ou une condition. Voilà. D'ailleurs, Séphora, as-tu déjà fait une alliance? Oui, mais avant, comment je perçois, j'aimerais vous parler de la façon dont je perçois une alliance. Et moi, tu sais, vous savez, ou peut-être toi, tu sais pas, je suis plutôt fleur bleue, romantique, mais d'accord, genre. D'accord. Donc, quand on me parle d'alliance, logiquement dans ma tête,
Ça clignote. Mariage, mariage. Oui, c'est une façon de voir les choses. Alors, enfin, tout ce processus-là, genre deux êtres qui ne se connaissent pas ou un peu, qui se connaissent un peu, échangent, discutent, se trouvent des points communs ou pas, apprennent à s'apprivoiser, se lient d'amitié. Et de cette amitié-là, qui peut être simple, pure, ben, naît l'envie d'aller plus loin, en fait. Tu as envie de connaître la personne, d'aller plus loin. Et là, tu vois, la romance s'installe, genre les petits flirts, tu vois, les petits regards. Et peu à peu, ben, au fil du temps, tu commences à tomber amoureux. Et là, il y a un sentiment qui apparaît. La peur, la petite peur là, tu t'es dit oui, 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 qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire là, je... Non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Genre, Seigneur, réveille-moi. Ça peut pas être lui. Non, écoute, réveille-moi. Et puis, ben, en fait, à un moment, ça devient évident et tu commences à penser genre au mariage, bon... Tu vois déjà la robe de mariée, la décoration, la musique. Ça s'est déjà arrivé. Oui, c'est ça, en fait. On a commencé les invitations, mais visiblement... Moi, la première. Bon, je vais passer ce détail. Mais en fait, ça devient évident. Et donc, fiançailles, qui est donc une promesse, je veux et je vais t'épouser, si Dieu me le permet, et si bien évidemment... Tu es d'accord. C'est la première condition. Ouais. Hein. Exactement. Puis vient le mariage, l'union de deux êtres, deux corps, deux âmes, mais aussi deux familles et deux éducations. C'est vrai que ça, c'est pas facile à gérer. Et toi, en fait, c'est vrai que je parle depuis un moment, mais... Alors, moi, je perçois le mot alliance comme toi. Quand j'ai entendu alliance, j'ai entendu, enfin, j'ai vu mariage directement. Comme tu dis, c'est l'union de deux êtres. Mmh. C'est deux êtres qui avancent ensemble, qui décident de se promettre fidélité, qui décident de vivre ensemble pour toujours. Donc voilà. Ouais. Et de s'aimer. Et de s'aimer surtout. Voilà. C'est l'amour qui est le socle de tout. Exactement. Puis vient la cérémonie avec cette fameuse phrase. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Genre, moi, je trouve ça beau et je trouve ça romantique. Et notre relation avec Dieu devrait être tout aussi belle. Voilà. Et donc, tu ne le connais pas et tu veux le connaître. C'est simple. Ben, ouvre ta Bible, lis, enfin, essaie de chercher dans sa parole, étudie-la, lis-la. Comprends-la, médite-la et découvre et essaie de découvrir toutes ces promesses que Dieu t'a laissées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup et énormément de preuves d'amour dans la Bible. C'est la référence même de l'amour, en fait. Et peu à peu, tu peux apprendre à écouter sa voix. Et plus tu lis la Bible, plus tu l'étudie, tu te dis, mais il y a quelqu'un qui m'aime. En fait, tu es un être aimé et tu es un être qui a de la valeur aux yeux de quelqu'un. Et tu te dis que le reste du monde, ça passe par-dessus. Alors là, ça rentre même pas dans tes oreilles. On jette. Voilà, exactement. Sephora, ben je reviens à toi alors, je veux bien savoir si elle a déjà vécu une expérience, puisque elle... C'est vrai que je suis pas si loin. As-tu déjà vécu une expérience et si oui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu en tires du moins? Ben, pour répondre à cette question, oui, j'ai fait une alliance avec Dieu, puisque je me suis donnée à lui et je me suis baptisée. Donc oui, j'ai déjà connu l'alliance. Et par le baptême, ben, je lui ai promis de l'aimer et d'essayer de lui ressembler chaque jour un peu plus et de me laisser modeler par lui. Et maintenant, ben, je sais qu'il m'aime et qu'il veut
mon bonheur, qu'il veut mon bien. Donc je dois lui faire confiance, même si ce n'est pas facile. Je dois lui faire confiance et surtout ne pas douter. Oui, et justement, en ce qui me concerne, j'ai fait la même alliance que toi. Je me suis alliée avec Dieu par le baptême. Et en me baptisant, j'ai pris l'engagement d'appartenir pour toujours au Seigneur. Je pense que vous aussi. C'est vrai que mon cœur, il lui appartenait déjà. Cependant, passer par les eaux du baptême, en fait, a scellé cette appartenance, a scellé cette alliance. Et je me suis engagée, comme lorsqu'on disait tout à l'heure là, comme lorsqu'on se marie en fait, je me suis engagée à servir fidèlement Dieu. Du coup, tous les jours, je lui demande de me donner la force de lui rester fidèle, de le servir avec âme, avec foi, de l'aimer de tout mon cœur, parce que justement, c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur. Du coup, chaque jour, je lui demande de mettre en moi l'amour nécessaire afin d'avancer. Voilà. Dans la leçon, il est question de deux types d'alliances. Quelles sont-elles et en quoi consistent-elles? Alors, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance, c'est l'engagement pris par Dieu vis-à-vis du peuple sur le mont Sinaï. Donc certes, l'ancienne alliance regroupe également les alliances que Dieu a faites avec Adam, avec Abraham, avec Moïse, mais la principale, c'est celle qui a été faite sur le mont Sinaï. Et dans Exode 19, Dieu a dit aux Israélites que ceci lui appartiendrait parmi tous les peuples. Donc ils étaient un peuple choisi, élu, comme une nation sainte, il l'a dit. À cela, les Israélites ont répondu, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Donc, ils ont dit, « Oui, Seigneur, nous allons t'obéir. » Donc, c'est ainsi que débuta l'ancienne alliance. Alors, il y a eu, pour sceller cette alliance, Moïse a répandu du sang sur le peuple. Et comme vous le connaissez toutes, enfin vous connaissez tous l'histoire, il y a eu l'étape des 10 commandements où Dieu a écrit sur les tables de pierre les 10 commandements. Et les Israélites devaient obéir. Donc la condition de l'ancienne alliance, c'est l'obéissance aux lois que Dieu a prescrites. Et à cela se sont ajoutées les lois cérémonielles. Donc, ce sont des lois qui étaient très importantes dans le temps des Israélites, car elles indiquaient quel rituel il fallait effectuer afin de pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Et du coup, le peuple d'Israël, il faisait des sacrifices, il sacrifiait un agneau sans défaut afin d'obtenir le pardon de Dieu. Donc, tous les jours, il faisait des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Voilà, donc c'est ce que est l'alliance, l'ancienne alliance. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Ben justement, quand tu lis quelqu'un qui ne connaît pas, genre un esprit qui ne connaît pas Dieu, pourrait penser que Dieu, c'est un Dieu sévère, c'est genre obéissez, gardez mes commandements. Genre, tu as l'impression que c'est que des ordres et que tu t'es obligé de te soumettre, t'es obligé, et que la personne peut avoir l'impression que Dieu c'est un Dieu... Un tyran et tout. Un dictateur. C'est et justement, compliqué. Les Israélites, ils ont obéi un peu sous la contrainte. Ils n'étaient pas... Au départ, ils avaient le désir d'obéir, mais après... Ils faisaient les choses par habitude, sans réel amour pour c'est Dieu. Vrai. Voilà. Alors, je peux parler de la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance a été scellée. En fait, c'est l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Le sacrifice de Jésus a permis de mettre fin aux lois cérémonielles qui préconisaient de sacrifier un agneau. Jésus, avec son désir de nous sauver, est le socle, en fait, de la nouvelle alliance. Voilà. Donc, la définition de la nouvelle alliance
Dieu nous la donne dans Hébreux 8, versets 7 à 12. Donc, je vais lire le verset pour pouvoir contextualiser, les versets du moins. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est beau, en fait. Oui, c'est beau ce que Dieu nous dit. Et justement, en fait, cette alliance... nous la retrouvons dans Jérémie 31, verset 33, qui c'est exactement le même verset. Donc, on voit que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a beaucoup de liens, ça ne change pas, en fait. Et du coup, la Nouvelle Alliance, elle est constituée de quatre promesses. La première, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Voilà, donc Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs. La deuxième, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, nous appartenons à Dieu. La troisième, Dieu nous promet, en fait, de se révéler au monde entier. Et il le dit dans le sens où il n'a même pas besoin forcément que nous puissions peut-être témoigner de sa parole. En fait, il se révèle déjà à nous. Son Saint-Esprit est capable de toucher quelqu'un que nous ne connaissons pas, à qui nous n'avons jamais parlé, de Dieu. Et un jour... il décide d'aller, par exemple, à l'église, d'étudier la Bible. En fait, Dieu se révèle à nous. Et la quatrième promesse, c'est « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Dieu nous pardonne. Et justement, le sang de Jésus a déjà tout fait. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. C'est à peu près la même chose, mais... le but de la Nouvelle Alliance, c'était de ramener ou de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu et prêt à accepter et observer ses préceptes. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout. Mais j'ai une autre question. Donc, on aura le temps de discuter encore. D'accord. Question pour toi. Oui. Alors, en tant que chrétien, en tant que jeune, quel impact justement l'alliance de Dieu a-t-elle dans ta vie? En fait, je l'aime tout simplement. Je te le dis, je l'aime tout simplement. Je ne peux être insensible à l'amour de Dieu et en retour, je lui donne mon amour. Voilà tout ce que je peux te dire. Ben, moi, en fait, juste, je suis consciente qu'il m'aime, et donc je veux faire des efforts pour l'aimer en retour, pour être amoureuse de lui. Alors Ophélie et moi, nous voulons montrer à Dieu ben, combien nous l'aimons. Voilà, alors écoutez ce chant. Me voici encore Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne te demande rien, dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même.
Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, même au son bien imparfait. Mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire combien je t'aime. On concert bientôt, non? Non, on va se faire ça. Ah oui. Franchement, bravo les filles. Hein. Oh là là, j'aime beaucoup. Bravo. Exactement, exactement. Bah, du coup, j'ai d'autres questions encore. Alors, quelle est la particularité, ou plutôt, d'après vous, l'élément clé de ces alliances? Ben, l'élément clé de ces alliances, ben, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Et comme on sait, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Point, et ça s'arrête. Point final. T'as rien à ajouter. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire, rien qu'on soit dire. Vas-y, toi. Alors, pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, la particularité, le point clé de cette alliance est le fait que Jésus veuille nous sauver, qu'il est venu nous sauver. Les deux alliances, en fait, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, témoignent de son amour pour nous. En fait, c'est l'amour de Dieu pour nous qui est incarné par sa puissance salvatrice. En fait, il veut nous sauver, et du coup, il voulait nous sauver. Il est mort sous la croix pour nous. Vraiment, c'est, le point clé, c'est l'amour, en fait. Les deux alliances parlent de l'amour. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi les Israélites avaient peur, parce qu'ils avaient nuit et jour, tous les jours, ils avaient des preuves de l'amour de Dieu. Genre, je les il fait nuit. Il fait nuit, tu as une colonne de nuée, une colonne de feu qui te guide. Il fait jour, colonne de nuée. Il y avait la Shekinah, voilà. Oh, purée, franchement, la manne. Dieu a inventé une nourriture pour eux dans le désert. Inventé une nourriture. Genre, ça n'existait pas. Et Dieu a dit, pour vous, voilà, je vais créer ça. Et c'était pas, je suis sûre que c'était bon. Je suis sûre. Ah, mais oui, déjà, oui. On sait, c'est, on aime bouffer. Malgré, en fait, malgré leurs plaintes, c'est ça. Dieu, franchement, son amour, il n'y a pas de mots, en fait. Malgré leurs plaintes, Dieu a fait tellement de choses pour eux. Moi, je ne comprends pas. Quoi? Je ne comprends pas. J'aurais tout donné pour goûter à la vie. Mais justement, quel lien que vous faites entre l'alliance de Dieu et sa mort? Alors, moi, je dirais que le en fait, il y a le verset qui dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Donc, en fait, nous devrions recevoir un châtiment, en fait, pour conséquence de notre infidélité. Cependant, Jésus est venu rétablir le lien qui a été brisé, en fait. Et il est venu réparer nos fautes, il est venu, en fait, il a remporté la victoire sur le péché et il nous a sauvés. Et du coup, le lien serait,
sa puissance, en fait, comme on a dit tout à l'heure là, sa puissance salvatrice, en fait, c'est le fait qu'il soit venu nous sauver, c'est vraiment... C'est vrai. Effectivement, ben, d'après mes recherches, et je crois que tu l'as mentionné tout à l'heure là, ben, l'ancienne alliance a été conclue, si je ne dis pas de bêtises, en Éden avec Adam et Ève, et renouvelée avec Abraham. En fait, ça s'est enchaîné, voilà. Il y a voilà, et ça s'est, depuis, ça s'est enchaîné. Voilà. Et d'ailleurs, dans Genèse 10, oui, 17, verset 1 à 7, il dit, globalement, « J'établis mon alliance avec toi. » Donc, cette alliance-là qui avait existé par la promesse de Dieu ne put être confirmée, approuvée qu'à la mort de Jésus. Exactement, voilà. Selon vous, pourquoi il est bien de respecter cette alliance de Dieu et quels en sont les bienfaits? En fait, moi je dirais, le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que personne ici ne veut mourir, personne ne veut... voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile en tant que jeune, il y a des tentations, il y a certaines difficultés qui peuvent nous faire avoir certaines idées. Mais en fait, comment dire? Moi, je dirais que le fait de respecter cette alliance amène des bénédictions, en fait. Amène des bénédictions. Par exemple, en tant qu'étudiant ou en tant que ceux qui recherchent du travail ou quelle que soit la chose, en fait, nous pouvons rencontrer certaines épreuves. Et si nous respectons cette alliance, en fait, lorsque viendra l'épreuve, Dieu, il va venir, il va nous aider, il va nous apporter son secours, son aide. Et du coup, en tant que jeune, dans notre vie de tous les jours, je pense qu'il serait bien de demander à Dieu de nous aider chaque jour à respecter son alliance, à respecter ses commandements. Franchement, il faut qu'on entretienne notre relation avec Dieu. C'est une relation, en fait. Voilà, c'est vraiment la relation qui doit être entretenue. C'est la clé. C'est la clé, voilà. Et ben moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'à sa mort, enfin, par sa mort, par la mort de Jésus, ben, la grâce m'a été accordée. Ce qui fait que je suis, enfin... Je suis pardonnée si je viens à lui sincèrement, avec un cœur pur et que je lui demande, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et il ne faut surtout pas oublier de citer, de nommer l'erreur. C'est très bien de nommer l'erreur quand tu demandes pardon à Dieu. Et voilà, la grâce m'est accordée, donc le pardon aussi. Et c'est merveilleux, c'est une merveilleuse preuve d'amour. Mais ce n'est pas une raison non plus pour prendre ça comme prétexte et dire... vas-y, je peux faire ce que je veux, je peux pécher comme j'en ai envie, de toute façon, Dieu va me pardonner. Non, non, il ne faut pas arrêter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non, non. Si tu penses comme ça... Il ne faut pas oublier qu'il y a le péché, enfin si je peux faire bifurquer un peu, il ne faut pas oublier qu'il y a le péché contre le Saint-Esprit. C'est ça. Et le Saint-Esprit te parle, il te parle. Au bout d'un moment, tu vas l'attrister. Et ce sera la fin, en fait, tu vas demander pardon, mais ce ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus entendre, en fait, te parler. C'est ça. Et donc, il faut vraiment que nous puissions prendre conscience de toutes ces choses. C'est ça, et puis savoir faire la part des choses. et en l'acceptant dans nos vies, et en scellant notre alliance avec lui par le baptême, ben, tu deviens enfant de Dieu. Je m'explique. Je passe de créature de Dieu... à créature et enfant de Dieu. Et donc, je connais mon identité et je suis à même de dire, je sais qui je suis. Je suis une créature de Dieu parce que j'ai été formée de ses mains et je suis son enfant maintenant parce que j'ai scellé mon alliance avec lui. Donc, je suis capable de dire, je peux dire que je suis une enfant de Dieu. Mm-hmm. C'est vrai. Je pense que, je ne sais pas, en fait, il y avait une petite question, je me permets, quel impact dans ma vie
En fait, moi, je dirais, je vous rebondis sur cette question-là. Dieu, en fait, il m'a promis d'être avec moi. Donc, quel impact l'alliance a dans ma vie? Dieu m'a promis d'être avec moi, comme dans les promesses qu'on a citées. Il me l'a garanti. C'est mon Dieu à moi, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. Donc, en fait, je dirais que dans notre vie, il faudrait que l'on puisse le considérer, qu'on puisse l'invoquer, qu'on puisse lui demander d'intervenir dans chaque aspect de notre vie. Parce que c'est vrai, on peut penser aux études, mais il n'y a pas que les études, il y a plein d'autres choses. Donc, il faut vraiment qu'on demande à Dieu d'intervenir dans chaque aspect de notre vie. Et je pense qu'il faudrait qu'en tant que jeune, en fait, nous ne pouvons pas avancer sans l'aide de Dieu. Mais il y a aussi l'entraide qui compte. Je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous, en tant que jeune, nous puissions nous concerter, que nous puissions organiser en dehors des programmes de l'Église, des sessions de prière, des sessions d'études profondes de la Bible, pour consolider nos liens, pour consolider nos liens avec Dieu, afin que, justement, nous puissions continuer à considérer l'alliance, les promesses de Dieu dans nos vies, en fait. Et il ne faut pas oublier que nous sommes, en fait, nous les jeunes, nous sommes les plus grandes cibles de l'ennemi. Nous sommes les plus grandes cibles de l'ennemi. Le diable, en fait, il ne veut pas que nous puissions hériter de la vie éternelle. Il veut qu'on ait, en fait, il veut qu'on hérite du même sort que lui. Donc, franchement, je pense qu'il faudrait que nous puissions organiser vraiment des choses, discuter vraiment de la parole de Dieu, parce qu'on attend dans sa partie, enfin, il y en a qui sont isolés. C'est incroyable. Le gars est déjà perdu. Je parle de Satan. Le gars est déjà perdu. Le gars est déjà fichu. Et il ne veut pas accepter son sort. Il veut t'attirer avec lui. Il veut nous entraîner. C'est pas croyable, mais je trouve ça. Il sait. En fait, il a déjà tout vu au ciel. Il sait ce qu'il y a dans le ciel. Donc, il ne veut pas que l'on puisse bénéficier de cela. Donc, vous voyez. Mais en vrai, c'est un gros gars, mais. C'est un gros gars, mais. Non, sérieux, c'est un gros gars, mais. Il faut arrêter à 2 secondes. Déjà que tu avais déjà tout. Tu fais ce que tu as fait. Tu ne veux pas assumer. Tu avais plusieurs occasions de demander pardon, de revenir. Dieu t'a montré qu'il t'aimait. Non, tu es parti. Il fallait que tu aies tenté celui-là dans le jardin. Il fallait que tu détruises ça par là, ça, droite, ça, gauche. Là. Et moi, je. Monsieur, franchement, ça me dépasse. Voilà. Oh là. Ah oui. Et dans tous les cas, ben. Pour revenir sur l'alliance, ben, dans tous les cas, ben, on est gagnant. Dans tous les cas, je suis gagnant, vous êtes gagnant, nous sommes gagnants. Dans la Bible, il dit dans Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ça, c'est toujours lui. Tu as quelque chose à faire, tu dis « Ok, je le fais ». Si une personne te demande de faire quelque chose, tu dis « Oui », tu ne changes pas d'avis après, non, tu as déjà donné ta parole à la personne. Oui, c'est oui, non, c'est voilà, non. C'est tu ne changes pas d'avis. Effectivement, il y a aussi l'aspect social. L'honnêteté prime. Et dans tous les cas, lorsqu'on dit quelque chose, on doit tenir notre parole. Pour vivre ensemble, c'est important, je pense. C'est comme Dieu qui nous a fait des promesses, justement. Exactement. Et il tient, et jusqu'à maintenant, il tient ses promesses. C'est ça. Donc, nous devons de faire pareil. Et même dans la nature, ben, Dieu nous montre tous les jours qu'il nous aime et qu'il n'a jamais rompu sa promesse avec l'arc-en-ciel, qui est une merveilleuse preuve d'amour. Et par ce signe, Dieu nous rappelle qu'il est là avec nous chaque jour et qu'il ne nous a jamais abandonnés. Et il nous promet aussi de venir nous chercher afin que là où il est, ben, que nous y soyons aussi. Et Dieu, en fait, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La vérité, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en fait, si nous suivons Jésus, qui est le chemin, nous allons réussir, nous allons avancer dans la vie. Il est la vie, il est la vérité. Donc,
Franchement, suivons-le. Jésus, c'est le, en fait, Jésus, c'est le centre, c'est le socle, c'est le socle de la Bible, c'est le socle de tout. Donc, confions-nous en lui, en tant que jeune, même si ce n'est pas toujours facile. Mettons notre confiance en lui. Apprenons chaque jour à cultiver, comme je disais tout à l'heure, à cultiver notre relation avec lui. Et nous verrons voilà. Ces bénédictions en découleront, en fait. Et même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, ben, en fait, il est là. Mais oui. C'est à toi de se dire, et meuf, frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, tu n'es pas tout seul. Justement, en fait, nous ne sommes pas seuls. Il a dit, nous ne sommes pas seuls. Il a dit, je serai avec vous. C'est vrai. Jusqu'à la fin du monde. Tous les jusqu'à jours. Son retour, il sera avec nous. Voilà. Voilà, donc, voilà. Donc, même si nous péchons, même si à un moment nous avons été infidèles, Dieu, il reste là. Il reste le même, il reste là. Il attend patiemment que nous puissions revenir à lui. Et aussi, il utilise plusieurs moyens pour nous faire revenir à lui, quelle que soit la chose. Il met quelque chose sur notre chemin pour nous mettre la puce à l'oreille et nous dire, attends, tu vois ce que tu es en train de faire là, arrête, stop. C'est ça, et je reviens. Et je reviens à ce que tu disais, il est très patient. Si nous prenons l'exemple de Satan, par exemple, le Seigneur lui a laissé beaucoup de chance. Il lui a laissé beaucoup de chance, il est resté très patient. Mais là, c'est trop tard, mon gars. J'ai pas embêté les gens. Et voilà, et je voulais dire aussi, je voulais ressouligner ça, ne va prendre l'état de péché, l'état de pécheur comme une excuse pour faire des choses pas possibles. Mmh. Il faut arrêter un moment. Oui. Il faut arrêter. La patience de Dieu a ses limites. Exactement. Okay. Je disais, tu veux pas. Le péché contre voilà. Les esprits. Tu peux pas te moquer de Dieu comme ça, comme ton envie. Et à un moment, il faut arrêter tes bêtises. C'est ça. Je pense que du moment où tu es conscient de ce que c'est tu fais, voilà. Ce n'est pas. Mais Dieu nous a tous donné l'œil du discernement. Tu sais à un moment que ce que tu fais n'est pas bon. Oui, ça, c'est alors clair. Pourquoi ça, tu continues de le faire? Arrête, frère. Après, il nous a donné le libre arbitre, mais ce n'est, comme tu disais, ce n'est pas un prétexte, en fait. C'est ça. Il faut faire le choix, justement, de suivre ses préceptes, c'est suivre ça. Sa parole, en fait. Nous avons bien discuté. Malheureusement, le moment va bientôt se terminer. Mais avant de finir, je pense que je ne suis pas la seule, hein, nous sommes plusieurs, à vouloir un petit chant, s'il vous plaît. Un dernier petit chant. D'accord. Si vous le demandez. Suspense. 3, 4. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin
de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Sois-tu. Donc je rajoute quelque chose, je serai à votre concert et je serai, vous savez, les personnes avec les mains levées, ce sera à moi. Le chant était magnifique, forcément. J'aurais bien aimé un troisième, mais malheureusement, il va falloir que l'on s'acquitte. Ophélie, tu viens de chanter pour nous, donc tu as prié deux fois, mais est-ce que tu voudrais quand même faire une petite prière, s'il d'accord, te plaît? D'accord, pas de soucis, prions sans cesse. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de la prière que tu nous accordes. Nous voulons te demander en cet instant de nous pardonner de nos péchés et nos fautes, que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint chaque jour, que tu puisses nous aider chaque jour à cultiver cette relation avec toi, que tu puisses nous aider à croire en tes promesses. Nous avons fait une alliance, elle est scellée. Que tu puisses nous aider à ne pas la rompre. Aide-nous en tant que jeunes, malgré les difficultés, à toujours te rester fidèle. Merci, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous les filles. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un très bon sabbat. Nous vous souhaitons d'ailleurs de passer un bon sabbat. Bon courage pour la semaine qui s'annonce. Et je pense qu'il y a une chose qui pourrait nous aider. Donc, comme Ophélie l'a dit, comme Séphora l'a dit également, ce serait bien que l'on prie les uns pour les autres. Priez pour les jeunes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, les jeunes du monde, parce que très sincèrement, nous sommes tous dans le même bateau. Et l'aide, les alliances, l'entente ne pourra que nous faire du bien. Lorsque vous priez pour vous, priez également pour les autres. Chers jeunes, on va vous laisser. Ça fut un réel plaisir et restez connectés. Et nous vous disons à très bientôt.